Bonjour, monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait longtemps que je suis plus vue en facecam. On est là pour faire une nouvelle vidéo. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas le top sur la chaîne. J'ai l'impression d'avoir des gros yeux. Enfin, soit. Mais vous allez bientôt avoir une explication à tout ça. Voilà, mais pour le moment, je ne dis rien. Voilà, vous aurez la surprise bientôt. Du coup, on est là pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit. Et on va faire un haul Primark. J'ai acheté un beau sac déjà. Voilà. Du coup, j'étais à Primark. Vous aurez Primark et vous n'avez pas beaucoup de lumière. Molière. La librairie Molière. Je suis toujours là, mais j'essaye d'ouvrir un petit peu pour avoir un petit peu de lumière. C'est mieux, je pense. Du coup, on va commencer tout de suite par un pull qui se présente comme ceci. Les manches déjà sont trop mignonnes, tout des Mickey. Voilà, tout des Mickey. Vous avez tout des Mickey dessus, il est noir simple, mais dans le fond, vous avez des Mickey, les manches des Mickey. Le derrière, il n'y a rien. Voilà, du coup, je vous montre. Après, j'ai craqué pour un pyjama. Ça, ce sera pour plus tard parce que il fait pas encore trop froid pour le mettre. Mais je vais quand même vous montrer. J'ai pris le Roi Lion. Voilà. Parce qu'il va falloir des ciseaux. On va quand même mettre des ciseaux comme ça. Tout ce qu'on s'est retiré tout de suite, ce sera fait. Allez. Hop, je vous montre tout ça. Bien sûr, il y a encore. Oh, il y a des attaches partout. On peut mal de piquer quoi que ce soit. Hein. Alors, un carton. Vous avez. Oh, j'aime bien la matière. La tête de Simba, vous avez des manches comme ceci. Oh, c'est tout doux. Il faut juste que je les lave. Ça va passer à la machine quand même. Voilà. Il y a une tache jaune là. Où c'est la... Non, c'est le truc à la. Voilà. J'ai pris XL pour être à l'aise, comme c'est pour dormir. C'est un pyjama. Voilà. Il est trop beau. J'aime beaucoup. C'est une matière assez fluide. Et le pantalon. Encore du carton. Hop. Et dans la jambe le carton. J'aime bien la matière du pantalon aussi. C'est un pantalon tout simple avec comme ceci tout des Simba, la tête de Simba dessus. Et alors il est comme ceci au pied. Est-ce que vous voyez bien avec la lumière? J'ai un doute quand même. Comme ceci. Mieux, c'est tout des petits Simba. J'aime beaucoup la matière, c'est agréable. Hop, après, j'ai un autre pyjama. Ciseaux, je vais couper tout de suite parce que là, celui-là, il a eu un crash de naissance. Et mon téléphone qui fait des ploups. Hop, ça, je sais pas c'est quoi, mais on va couper quand même. J'essaye d'avoir hop comme ça sera beaucoup mieux pour vous le montrer. Oh, il est tout doux. J'ai pris un pyjama à stitch tout doux comme ceci. Hop, c'est des manches comme ceci blanches avec un peu le, mais c'est parce que c'était stitch. Voilà, j'espère qu'il va pas trop me serrer. J'ai pris XL aussi, mais ça me fait peur le haut. Des cartons dans leurs jambes. Pourquoi ils mettent ça dans les jambes? Allez, ça y arrive toute la jambe. Des bêtes cartons là. Et puis vous avez le pantalon. Il est bleu avec tous des stitches dessus. Voilà. Et là, il y a ceci comme ça. Voilà. C'est un ensemble, du coup, je ne sais pas choisir. Voilà. Hop. Je tire l'autocollant là. Parce que. Ils mettent les. Hop, ça sera à laver.
Ah si, je l'ai pris, merde alors. Oh zut. En fait, il y avait un training que je voulais absolument, mais il n'y avait plus le pantalon. Mais j'ai pris la... Pour moi, j'avais pas pris la blouse. Enfin, la blouse, je l'avais remis, mais non, je ne l'ai pas. Du coup, il est gris, avec les manches sont grises. C'est Stitch. Comme ceci, voilà. Il y avait le pantalon avec gris, mais il n'y avait plus ma taille. Voilà, mais j'ai pris celui-là. J'avais dit que je ne prendrais pas, comme il n'y avait pas le pantalon avec. Mais je l'ai quand même pris. Je l'ai oublié de le remettre, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris aussi XL. J'espère que ça ira. Il fait grand, mais je préfère. Après, j'ai pris une blouse sans manches, toute bête. Ils étaient à 4 euros. Je crois que c'est ça. C'est ça, 4 euros la blouse. Voilà, 4 euros. Du coup, je me suis pris une blouse sans manches. Enfin, voilà. Tout basique, basique. Que je vais laver aussi. Pour mettre comme il fait chaud. Voilà. Normalement, il y a une deuxième comme ça. Que j'ai pris des tailles. Ça, je vous montrerai après. Oui, j'en ai un deuxième. Voilà, le même. 4 euros aussi. Il n'y avait plus que cette couleur là, enfin pour ma taille. Il y avait d'autres couleurs mais pas ma taille, du coup j'ai pris cette couleur là. C'est pas laid quand même. Puis je me suis pris des petites chaussettes Stitch, parce que ça c'est toujours pratique les chaussettes. Voilà, vous avez Stitch comme ceci. Ici c'est écrit Stitch. Et là, vous avez Stitch. Enfin, quand je lave tout ça. Bon, ça, ça montre après. Que je n'oublie pas. Ah, où j'ai pris le pantalon. Non, j'ai le pantalon. Voilà. Je pense que je vais peut-être le mettre demain pour aller travailler. Sauf que c'est... Oui, c'est ça, j'ai pris en 2XL le pantalon. J'espère qu'il ne sera pas trop grand. Du coup, je vous montre le pantalon qui allait avec le... C'est marqué Stitch comme ça. Il est juste tout gris. Là, avec une poche, là. Il est juste simple, tout gris. Et vous n'avez pas... Ah, s'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, je n'ai même pas vu. Là, vous... au bout du pantalon. Hop, je vais faire comme ça, j'aurais pu faire comme ceci. Et là, il y a une ouverture. Voilà. Il est tout simple, mais voilà. Je me suis dit pour faire... un petit training à la maison ou quoi que ce soit. Voilà. Après, j'avais pris le sac. Voilà. Réutilisable. Qui est très facile à utiliser du coup. J'ai perdu mes ciseaux. Là, je vais couper là. Vous avez vu, j'ai pas pris grand chose. Voilà. Il y a un truc que je vais vous montrer quand même. Que j'ai craqué dès que je les ai vus. Oh, j'ai tombé les tickets. Ta-da-da. Là, j'ai pris les chaussures blanches Stitch. Voilà, c'est comme ceci. Elles sont simples. Voilà, je me suis dit que voilà. Ouhou, je suis trop contente de les avoir. Voilà, c'était la dernière paire en ma taille en plus 38. Du coup, voilà. Puis la dernière petite chose que j'ai pris, mais ça c'est chez Molière, la librairie Molière, je vous montre, j'ai pris un marque-page, il est trop beau, j'aime beaucoup, c'est un dragon, je sais pas c'est de quel, qui fait latte, voilà, c'est pour suivre les réseaux sociaux, j'en ai deux, voilà, je vais voir si je peux en donner un. J'allais chez Molière, c'était pour récupérer ceci. Le tome 7 de la Gamus et son chat offre un calendrier scolaire. Ah, d'accord, ok. Du coup, voilà. Je ne sais pas, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'avais dit que j'ouvrais pour regarder dans le métro et puis j'ai pas regardé à ça. Hop, on va regarder, je l'ouvre. Il me reste le tome 6, je crois, à lire. Que j'ai pas encore lu, du coup je pourrais
me les faire. Voilà le tome 7 que j'aime beaucoup. Ah oui, d'accord, vous avez calendrier là, ici. Ceci, c'est un calendrier 2022-2023 avec tous les chats. Enfin, les trucs. Du coup, voilà. Il commence à partir de septembre. Vous avez septembre, octobre. Le mois de mon anniversaire. Avec les petits chats au-dessus. Novembre, décembre. J'aime beaucoup les petits chats. Du coup, c'est janvier, février. Oh, ils sont mignons. Mars, avril. C'est con. C'est un vendredi 24. Ouais, vous savez pas, mais c'est pas grave. 25. Enfin, mai. Juin. J'aime bien aussi celui-là. Juillet, août. Oh, ils sont mignons. Et du coup, ça, c'est un carnet. Enfin, un truc pour notes. Mais ils sont trop mignons. Voilà. Et du coup, ils se présentent comme ceci. Il est trop mignon. Ah, ils sont bons. Comment on vit à l'arrière d'un chat quand on vit pour... Ça va être une folie, je pense. Voilà, j'ai trop envie de continuer la suite. Je vous montre à l'arrière, même si ça va peut-être spoiler. Examiner, parler et bouger. Ça va être chouette, je pense. Ça va être trop chouette. Et je ne sais même pas combien il y en a. Je pense que c'est... ça va être le dernier. Après ça, il faut que je regarde, mais je pense que celui-là, je ne l'avais pas. J'ai pris la les aventures de Tai et Mamie Suji. Je pense que j'avais lu jusqu'au tome 3. Il y a le 4 qui est sorti, du coup, voilà, je me suis pris le tome 4. Mais ça, il faudrait vraiment que j'essaie de me suivre. Voilà, parce que là, je ne sais plus. Et après, je me suis dit, je vais prendre deux... manga BD, je ne sais pas comment ça présente. Du coup, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de J'entends beaucoup de bons avis. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Je suis en panne de lecture. Je me dis que si je le commence, ça va peut-être me donner envie de continuer à lire. Et voilà. Et les images sont belles. Voilà. Je vais peut-être vous montrer juste... ceci, j'aime beaucoup le personnage ici qu'on va suivre. Voilà. Ici, c'est découvrir le webcomic qui a donné naissance à une célèbre drama dans lequel jouent les beaux Shawo. Wow. Suivez les aventures d'une lycéenne archéo à cause de son apparence qui gré la maîtrise de l'art maquillage. Elle va devoir la détresse de son lycée. Bien, mais bientôt le temps pourra-t-elle garder son secret. Du coup, il y a le tome 1 et j'ai pris le tome 2. Il est beau aussi, lui. Voilà. Voilà. Je me suis dit comme ça, je pourrais me faire les deux. Et il y a le tome 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Du coup, je me dis que je prendrai ces deux-ci. Et après, je me prendrai les deux autres. Voilà. Mais je trouve qu'ils sont trop beaux. Voilà pour les petits achats du jour. Je n'ai rien d'autre à vous montrer. C'est déjà pas mal, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous avez adoré. Ce que vous avez envie de me piquer. Voilà. Moi, j'aime beaucoup plein de choses. Voilà. Je n'ai pas trop de... d'avis à donner, tout ce que j'ai pris me plaît, alors voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, moi je veux vous laisser. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et ça fait plaisir et c'est gratuit. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être une vidéo en septembre. Enfin, je ne sais pas s'il y en aura d'autres pour le moment. Mais en septembre, vous aurez une vidéo un peu blabla. Mais je vous expliquerai plein de petites choses qui vont changer dans ma vie. Du coup, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine fois. Bisous, bisous.